Comment est écrit le football? Le ou l'un des sports les plus populaires de ces dernières années. Aujourd'hui, on fait un gros retour dans le passé. Donc, accroche-toi bien, laisse un like, abonne-toi et c'est parti. Il faut savoir qu'avant la création du football, il y avait déjà des jeux de ballon au pied. Il est dit qu'à travers l'humanité, depuis l'Antiquité, toutes les cultures confondues ont déjà joué à des jeux de ballon au pied. C'est incroyable. Le football est né en Angleterre. L'origine du football remonte au Moyen-Âge. On appelait cela à cette période la soule. C'était un mélange du rugby et du football. Ce jeu se joue avec les mains et les pieds. L'objectif de ce jeu était de mettre un maximum de points dans les buts. Je vous laisse imaginer la violence qu'il devait y avoir à cette époque car il n'y avait pas ou très très peu de règles à ce moment-là. Et sachant que aujourd'hui le rugby est très violent, s'il n'y a pas de règles, que c'est un mélange des deux, je vous laisse imaginer les dégâts qu'il y a dû y avoir. La soule ou le mob football était pratiqué en Angleterre, dans les établissements et les écoles britanniques. Mais très rapidement, ils ont commencé à se pencher sur le fait de la création de certaines règles, car chacun jouait ses matchs de sa propre façon. Dans certains matchs, il y avait le droit de prendre le ballon à la main. Help me! Help me! Nigga! Qui est assez bizarre au jour d'aujourd'hui. Dans d'autres matchs, il était possible d'envoyer des tacles de malades, ce qui pouvait provoquer de graves blessures. Rapidement, ils se sont concertés pour la mise en place de règles en commune autour de chaque match de football. En 1848, va naître les bases fondatrices du football moderne que nous connaissons aujourd'hui, les Cambridge Rules. Ces règles qui vont permettre de définir tous les matchs de football qui se sont joués jusqu'à aujourd'hui, des règles qui ont beaucoup servi. Cambridge Rules. Je vous ai pas dit, mais je continue à travailler mon anglais un petit peu. Cambridge Rules. Rules. En 1863, le rugby et le football sont séparés. Les premières instances dirigeantes du football sont alors créées. Le football est né. Et remerciez Dieu, ou remerciez ceux en qui vous croyez, ou si vous croyez en rien, soyez heureux. Car nous vivons dans une période où nous avons la chance de voir les deux. Comment on dit deux en espagnol déjà? Dos et deux meilleurs joueurs de tous les temps. Messi et Cristiano Ronaldo. Ça ne sert à rien de débattre avec moi. Il n'y a pas plus fort que eux à l'heure qu'il est. Voilà, arrive à la fin de cette vidéo. Et toi, penses-tu que Messi et Cristiano Ronaldo sont les meilleurs joueurs de tous les temps? Personnellement, je le pense. Et toi, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, car j'ai voulu changer, voulu faire un peu de choses. Cette semaine, j'ai beaucoup envoyé de l'actualité. Laisse un like, abonne-toi, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description. Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.